Il est un lieu enchanteur, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, au fond du golfe de Finlande, Répineau. Répineau doit son nom au peintre Ilia Répine, qui y passa la dernière partie de sa vie dans sa résidence baptisée Les Pénates, où il fut inhumé en 1930. Ilia Répine, c'est l'un des plus grands peintres russes, le plus célèbre représentant du mouvement réaliste qui se développa dans la deuxième partie du XIXe siècle sous le nom d'ambulant ou itinérant. Répine avait abandonné l'académie mais n'avait pas adhéré au mouvement impressionniste contemporain qu'il jugeait trop éloigné de la réalité. Ce qu'il a peint, c'est la vie de tous les Russes de son époque. Ces personnages au regard rempli de souffrance, trimant, luttant pour survivre, courbés sur la misère de leur existence, le peintre leur a rendu hommage. À l'époque des tsars, l'influence du clergé était forte. Répine a peint des scènes religieuses, même si, manifestement, il n'éprouvait aucune sympathie pour les représentants de la religion orthodoxe. Les scènes historiques de la Russie des tsars, avec ses figures sanguinaires, les légendes populaires russes ont aussi largement inspiré l'artiste. La société russe, ce n'est pas seulement une classe laborieuse. C'est aussi toute une intelligentsia aristocratique, un cercle d'intellectuels et d'artistes que Répine a fréquenté.
réalisme de sa peinture et se traduit également dans les portraits des paysans. Leur regard profond exprime tous leurs sentiments. Répine les peint tels qu'ils sont, en plein travail, en pleine souffrance, tristes ou joyeux, jeunes ou vieux, beaux ou laids. Il peint la réalité. Répine a donné une image de la société de son époque, fin du 19e, début du 20e siècle, surtout l'image d'un peuple de travailleurs à la force physique inébranlable. Il a dénoncé l'oppression des pauvres par le régime tsariste. Le régime communiste verra en Répine un représentant de son idéologie et essaiera d'utiliser ses toiles pour sa propagande. Pourquoi ne pas considérer l'œuvre de Répine comme le prélude à un bouleversement fondamental de l'ordre social ? Une question se pose alors. Répine est-il le peintre de la Russie impériale ou bien un artiste révolutionnaire ?